Coucou les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Nous allons découvrir ensemble ma petite box surprise du mois de février. C'est parti! Si vous nous rejoignez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner et de liker évidemment cette vidéo pour partager un peu de votre joie. Alors, on reçoit la petite box surprise du mois de février. La plus belle histoire d'amour de ma petite box surprise, c'est vous. Ça démarre très très bien. Et en plus, c'est le mois de la Saint-Valentin, donc c'est très gentil pour ce petit mot. Je remercie évidemment la marque de me faire parvenir cette box. Alors, pour info, ma petite box surprise, c'est une box qui nous emmène tous les mois dans une région française. On découvre des produits locaux, des artisans, des surprises, des gourmandises. C'est très varié et c'est très sympa. Vous la trouvez au tarif de 39,90€ par mois. Vous avez également une formule plus petit budget à 29,90€ par mois avec un produit en moins. Et je pense que j'ai un code promo. Je vous mets tout en barre d'infos, les filles et les garçons. On va ouvrir ceci. Nous retrouvons ici la lettre de ma petite box surprise. Alors, je vous lis le thème du mois de février. Et nous sommes sur une thématique multi-région. On ne va pas aller dans une région spécifique aujourd'hui. On va être en multi-région. Donc, ce mois-ci, vous êtes notre Valentine. Mignonne, allons voir si la rose Pierre de Ronsard... Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil à point perdu ceste vesprée. Les plis de sa robe pourprée et son teint au vostre pareil. Las, voyez comme un peu d'espace mignonne, elle a dessus la place. Las, las, ses beautés, laissez choir. Oh, vraiment, ma rastre nature. Puis qu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera tenir votre beauté. Donc on est là sur un poème, un recueil de Pierre Ronsard que je ne connaissais pas. Voilà, c'est plutôt sympa de partager ça avec nous. Et la plus belle histoire d'amour de ma petite box surprise, c'est vous. Nous avons quelques illustrations sur cette thématique. Un joli vélo ici. C'est très, j'aime beaucoup les illustrations de ce mois-ci. Et j'ai ici le descriptif de tous les produits. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Le premier produit qui est mentionné sur le flyer, c'est un carnet, et un joli carnet rouge avec un cœur doré. Donc c'est donc la marque Mes Petites Surprises, qui est la marque propre de la box, des surprises faites dans notre atelier ou que nous faisons faire spécialement pour vous. Un joli carnet tout rouge pour noter tous vos secrets. Par contre, je n'ai pas les tarifs. Il me semblait qu'avant on avait les tarifs d'indiquer. En tout cas, moi je suis une grande fan de carnet. Celui-ci est un carnet simple sans ligne. Le papier est un petit peu jaune, très joli. Donc moi j'aime bien. Ça fait chic toujours d'avoir un carnet aussi classe, surtout quand on est au bureau. J'en ai partout des carnets, vous voyez, ça s'accumule. Alors le deuxième article du mois, ce sont des cartes de la marque Greenma. Alors là pour le coup c'est assez original, on en a plusieurs, c'est très artistique, j'aime beaucoup. C'est une papeterie Célébrons les femmes. Trois magnifiques cartes, je vais vous les montrer une par une d'ailleurs. Illustration imprimée sur papier épais, 320 grammes texturisé. Voici la première illustration. Donc c'est des cartes à glisser dans vos livres, vos carnets ou à faire encadrer. Je trouve qu'encadrer c'est très joli. Intuition, la force des femmes, Louvre, Amazon. J'aime beaucoup cette première carte. Très très belle. Donc ça c'est le format 15 par 15. Il y a une deuxième dans le même format qui est celle-ci aussi. Très artistique, très jolie, donc dessinée par Cécile, la fondatrice de Greenma. Et la dernière carte, qui est dans un format A5, vous voyez ici, c'est « La force des femmes est infinie quand elles sont confiantes, écoutent leur intuition et se reconnectent à elles-mêmes et à la nature ». C'est super sympa. Je me demande si je vais pas tenter de les encadrer, de faire quelque chose avec ça. Pour la marque, pour les amoureux de la nature, bio et zéro waste. Donc marque française créée en 2016, Greenma propose des thés et infusions bio en feuilles entières, alliant authenticité, écologie et design. Nous réalisons également des bougies et des savons bio saponifiés à froid ainsi que des cartes. Donc localisation de la marque en Lorraine, Noreuil-le-Veneur. Voilà pour ce deuxième article de papeterie, j'aime beaucoup moi la papeterie. Ensuite, nous avons un petit bracelet de la marque Les Cléa. Donc ça se présente dans ce petit pochon, tout en finesse et en féminité. Ah oui, c'est très fin. Le bracelet Bibi en acier inoxydable. Il est vraiment très très joli. C'est un bracelet doré avec des petites perles en cristal violette. Alors non, vous pouvez avoir des perles rouges,
noire ou kaki ou violette. Et j'ai eu les violettes. C'est quand même extraordinaire, sachant que c'est une ou ma couleur préférée avec le bleu. C'est résistant à l'eau, c'est hypoallergénique. Je vais le mettre tout de suite pour vous le montrer. Garanti sans nickel et sans plomb, accès inoxydable et du verre cristal. Voici ce que ça donne. Il est très très joli, j'aime beaucoup. Donc créé en 2007 à Paris, au cœur du Marais, les Cléa est une marque de bijoux fantaisie. C'est vraiment magnifique. Attendez, faut que je vous montre ça de beaucoup plus près pour que vous puissiez voir la beauté de ces perles en cristal de verre là. C'est très très joli. Donc voilà pour le troisième produit. Je passe au quatrième qui sera uniquement proposé dans la formule classique. C'est-à-dire que si vous avez la formule, ma petite formule à 29,90€, vous n'aurez pas ce produit-là. Et il s'agit d'un hydrolat de la marque Formule Beauté. Le packaging est encore super sympa. Donc au parfum floral, l'hydrolat de fleurs d'oranger redonne de l'éclat et de la lumière aux teintes ternes. Apaisant, il est particulièrement adapté aux peaux sensibles. À utiliser sur le visage comme une lotion, bien fait, régénérant, tonifiant, rafraîchissant, adoucissant, éclaircissant, apaisant, calmant, relaxant, réconfortant. Engagement qualité. Hydrolat conservé et fabriqué sans traitement chimique. Fabrication française, obtenue par distillation à la vapeur d'eau des fleurs d'oranger. Matière d'origine végétale et issue de l'agriculture biologique. Formule Beauté, la marque Do It Yourself pour faire ses cosmétiques naturels et bio soi-même, produit 100% made in France et éco-responsable, créé en 2016 par Sarah, experte en cosmétologie naturelle et auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Rustica, elle souhaite apporter une solution à toutes les femmes qui en ont assez d'utiliser des cosmétiques nocifs pour la santé et qui ne veulent que des ingrédients actifs directement issus de la nature. Spécialisée dans la création de coffrets, Formule Beauté propose des recettes faciles à réaliser avec 6 ingrédients maximum, saines pour notre corps et l'environnement. La marque propose également tous les ingrédients et le matériel Do It Yourself à l'unité. Localisation de la marque à Étrée, en Poitou-Charentes. Alors je connais très bien cette ville d'Étrée, puisque j'y ai habité pendant un certain temps, le temps de faire mes études à côté de La Rochelle. C'est un flacon comme ça qui se dévisse et vous avez à l'intérieur... Ça sent vraiment très très bon la fleur d'oranger, ça peut être sympa. Donc, Formule Beauté. Je passe au dernier produit de la box. Alors, c'est assez original. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est comme une petite fleur. Mais il me semble qu'on a des chocolats à l'intérieur. Des caramels, je ne sais pas. Donc, c'est ma fleur gourmande. Fleur et thé en chocolat. Marguerite et trois chocolats. Fleur de dragée et chocolat noir, couleur aléatoire parmi 8 couleurs. Très gourmande, puisque accompagnée par 3 bonbons de chocolat, ganache et praliné assortis. Attaché sous la fleur, une façon de rendre une fleur aussi inattendue que gourmande. C'est vrai que c'est vraiment original comme ça. Flirter en chocolat est né d'un coup de cœur et d'une volonté forte de Céline et Jean-Marc. Créer une entreprise à deux. Ainsi, nous avons créé l'ancienne en 2010, un coup de cœur pour les fleurs de dragée. La passion pour le chocolat et le thé nous ont conduit à imaginer notre concept à 3 dimensions dans lequel la fleur est dans le thé dans le chocolat et le chocolat dans la fleur. Bienvenue dans notre univers gourmand et fleuri. Pour les papilles et les pupilles. Localisation de la marque Lyon. Voici la petite box surprise du mois de février. Nous retrouvons donc cette petite gourmandise chocolat et dragée, très originale. Je retrouve un hydrolat à la fleur d'oranger de la marque Formule Beauté. Je retrouve ce joli bijou bracelet acier inoxydable et cristal. Également 3 jolies cartes de papeterie, très jolies, de la marque Greenma. Et un carnet rouge de ma petite box surprise. Voici pour les 5 articles que compose la box. Je suis vraiment contente, je trouve que la box est un petit peu différente de d'habitude. Moi je suis très contente de retrouver de la papeterie. Donc évidemment j'ai un petit coup de cœur pour le carnet et les cartes. Bah, le bracelet c'est aussi un petit coup de cœur parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bracelet aussi sympatoche. Et puis en fait tous les produits me plaisent donc voilà je vais tout consommer, utiliser. Donc je remercie ma petite box surprise. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la box et quel est votre produit préféré de la sélection. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos les filles et garçons. Ciao ciao !